Bienvenue tout le monde, c'est un plaisir encore une fois pour nous capables de bien recroiser pour un pile d'informations. Cette fois-ci, nous allons aller Qatar tête droite pour la Coupe du Monde et qui a commencé le 20 novembre pour finir le 18 décembre dans le pays. Qatar, si ça nous va louer dans l'émission ça aujourd'hui, nous allons louer ensemble 5 villes qui sont déjà réservées pour la Coupe du Monde là. Et accompagné avec 8 stades qui déjà est bien là pour 32 équipes à prendre plaisir au football. Je dis que un joueur papa jamais souhaité pour rater un tel rendez-vous. Et bien, c'est tout ça que nous allons ensemble dans l'émission jeudi. N'a pas un coup de pause, n'a pas tout de suite. Nous retournons après poser un salut à Alan Bomo qui est là pour toute promotion sur ça. C'est Maggi sur Sport et Alan Design pour toute image, belle image pour regarder là. C'est Alan Design qui a géré nous sans oublier son sonio, Michelin Pierre, Nadine Aristide et nous pas oublier nos sponsors Tankou et BBS Beauté Plus. N'importe direct qui n'a information yo et bien et nous connaissons Coupe du Monde là en fait dans le pays Qatar sorti 20 novembre pour arriver 18 décembre et bien c'est pral gagner 8 stades qui pral recevoir tout match ça yo sans oublier avec 5 villes avant même d'aller regarder ensemble en détail et bien 8 stade ça yo on regarde ensemble 5 villes qui vont recevoir plus gros compétition dans le football sous la terre le pays Qatar et bien Arabio prend Coupe du Monde là et bien pour 22e édition et bien parmi les 5 villes choisies pour la Coupe du Monde Qatar 2022 c'est Alcor première ville et bien nous gagne ville Lisaï ville Al Rayan et nous gagnons ville ça qui c'est Al Wakra. C'est ensemble et bien deux villes ça yo sans nous pas oublier capitale pays Qatar qui c'est Doha. C'est 5 villes ça yo qui va recevoir Coupe du Monde là pour 22e édition. En détail, nous allons voir chaque stade ensemble. Premier stade aujourd'hui, c'est stade ça nous capable parler et Khalifa International Stadium. Stade ça trouvé dans la ville Doha. C'est stade ça qui trouvé dans la ville Doha. Stade ça a une capacité de 45 000 places côté que surface. Stade ça, on a regardé là, c'est pelouse qui souligne stade ça d'avoir construit en 1976 et d'avoir rénové dans l'année 2017. On a regardé quelques matchs qui ont gagné dans stade ça. Et dans lundi 21 novembre, nous avons Angleterre-Iran et nous avons aussi Allemagne-Japon, Pays-Bas-Équateur, sans pas citer le reste. Qui a joué dans ce stade. Deuxième stade nous gagne pour nous aujourd'hui, c'est stade nous capable relé stade 974 et bien stade ça qui porte nom stade 974 et bien chiffre 974 c'est et bien c'est code téléphonique pays n'a parlé de Qatar. Et bien stade ça con capacité de 45 000 places surface pelouse construit en 2020, stade ça dans ville Doha. On regarde ensemble quelques matchs qui a gagné en stade ça. Mardi 22 novembre, pays Mexique a joué face équipe Pologne, Portugal et fanatique Cristiano l'a joué dans stade ça. Jeudi 24 novembre avec équipe Ghana, nous gagnons France, Danemark et Argentine, Pologne dans même stade ça.
N'a pas avancé avec information toujours sur le dossier stade dans le pays Qatar pour la Coupe du Monde 2022 là, qui c'est 22e édition. Ce stade ça, on a parlé de stade Al Toumama, il trouvait dans la ville d'Oa. Il a une capacité de 40 000 places, surface toujours pelouse. Eh bien, stade ça, son nouveau stade, mes amis, ça veut dire son stade qui est construit là pour la Coupe du Monde 2022. On regarde ensemble quelques matchs qui ont bien dans ce stade ça. Eh bien, dans lundi 21 novembre, l'équipe Sénégal a joué avec Pays-Bas dans ce stade ça, Belgique, Maroc, et nous avons Canada à Maroc qui a joué dans ce stade ça. On a parlé de Al Toumama. Eh bien, c'est là match ça lui-même qui a fait. On peut continuer avec eh bien Stadio. Cette fois-ci, nous allons regarder ensemble Stade ça, c'est Education City Stadium. Il est toujours dans la ville d'Oa. Il a une capacité de 40 000 places. Surface pelouse. Il construit eh bien en 2020. Eh bien, Stade ça, c'est lui-même qui va recevoir match 22 novembre. Ce pays, Danemark, Tunisie, pourquoi pas Uruguay, Corée du Sud. Sans oublier, eh bien, l'équipe la France a affronté Tunisie dans le même stade. Ça, on a parlé tout simplement de Education City Stadium. On a continué. Cette fois-ci, nous allons jouer ensemble Stade Doual, eh bien, ouvert Coupe du Monde Langue. Eh bien, Stade ça, on a parlé de Stade Al Bayt. Eh bien, Dinanville, Alcor, c'est lui-même qui va ouvrir Coupe du Monde dans le pays Qatar. Il a une capacité de 60 000 places, surface pelouse. Eh bien, Stade ça, là, eh bien, conçu là. Mais espérer que tout bagage est censé OK parce que nous pas arrêté en pile jour là pour, eh bien, la Coupe du Monde dans lui-même. Il est démarré. Eh bien, gardé match qui va gagner dimanche 20 novembre, là, eh bien, c'est Qatar qui a ouvert Coupe du Monde là, avec Équateur dans le stade ça. Et n'a gagné Maroc, Croatie, dans mardi 23 novembre. Vendredi et 25 novembre, n'a gagné Angleterre, États-Unis et Espagne. Allemagne, son bel match, là, le dimanche 27 novembre, dans même, eh bien, stade ça. N'a pas toujours continué avec Stadio, eh bien, bah, ouais, stade ça, qui trouve dans la ville Al-Rayyan. Eh bien, stade ça, il est Ahmad bin Ali Stadium. Il a une capacité de 40 000 places, surface pelouse. Stade ça lui-même, il était conçu en 2003 et en 2020. Il a fait travail dans stade ça, il a renouvelé. On regarde ensemble les matchs qui va gagner dans stade ça. Eh bien, c'est ça. Et c'est le match qui a gagné, c'est États-Unis, qui a joué avec Pays de Galles lundi 21 novembre. Mercredi 23 novembre, Belgique, Canada, et nous gagnons le pays de Galles qui a joué avec Angleterre mardi 29 novembre dans le même eh bien, stade. Ça. Nous allons regarder encore l'autre stade, toujours parmi 8 stades, c'est Stade Al-Janoub, eh bien, qui est trouvé dans la ville Al-Wakra. Eh bien, c'est lui-même qui va recevoir match mardi et 22 novembre blanc, mais en gardé, il y a une capacité de 40 000 places, surface pelouse, il construit en 2019. Match va bien la donne, mardi 22 novembre, équipe la France a joué avec Australie, et bien jeudi et 24 novembre, nous gagnons la Suisse Cameroun, et ensuite, nous gagnons l'autre match dans le stade ça. N'a pas gardé là, puis le stade qui a recevoir match dans la Coupe du Monde, c'est Stade Sadou qui a recevoir la finale Coupe du Monde. Est-ce que c'est Cristiano Ronaldo qui a joué le dernier match? Est-ce que c'est Lionel Andrés Messi? En tout cas, c'est une grosse question qui a posé là. Eh bien, il y a une capacité de 80 000 places, surface pelouse. Eh bien, c'est un nouveau stade. Et Stade Sadou, Coupe du Monde fini, eh bien, il y aura transformé dans l'autre projet qui gagne dans le pays Qatar. Mardi 22 novembre, eh bien, Argentine a joué avec Arabie Saoudite dans le stade ça. Et lundi 28 novembre, Portugal a joué avec l'équipe Iroquoise. Eh bien, dans le stade ça, eh bien, on a parlé de l'Usai Stadium. Ces derniers stades, eh bien,
nous avons parmi 8 stades dans le pays Qatar. C'est ça que nous avons déposé pour aujourd'hui. Hein? C'est la Coupe du Monde. Ça va chauffer et nous-mêmes nous déjà préparé nous là. Caméraman nous déjà dispo. Nous avons parlé de Alan Design. C'est un plaisir pour nous de là. Nous avons croisé pour l'autre numéro qui parle sur la Coupe du Monde dans l'autre rubrique. Nous avons croisé dans l'autre sortie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Haïti. Bonsoir le monde. Ciao.